Donnez-moi classique, biatch. Yes, Massive Suspecté qui est FBB pour Parole Inutile, édition spéciale. Je connais mes classiques puisqu'aujourd'hui on va parler d'actu, on va parler d'un big classique, on va parler de L'Indiscipliné, l'album, mon album en tout cas préféré de GGDN, a.k.a. Forkly, a.k.a. Missier GG. J'aurais pu parler de trucs plus actuels. Il y a pas mal de petits délais que vous avez sûrement manqué entre artistes et machin, etc. Je me suis dit, bon, il n'y a pas. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, c'était surtout pour parler c'était aussi pour parler des trucs d'actualité, etc. Mais c'était aussi pour reparler un petit peu d'histoire qu'on a un peu oublié. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas pu le faire parce qu'avec Instagram me prend beaucoup de temps. Et puis il y a pas mal d'autres trucs dont il faut quand même parler en actualité. Mais là, j'ai eu envie de parler de cet album après avoir parlé donc de Mosaic Créole d'Admiralty il y a un ou deux mois déjà, mine de rien. Donc let's go. Donc là, je vais vous donner ma vision, en tout cas la façon dont moi j'ai vécu l'album L'Indiscipliné de Forkly. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires les souvenirs que vous avez de cet album, ce que vous préférez, etc., etc. C'est parti. Alors déjà, moi, comment je découvre cet album, mais aussi Forkly, je pense, parce que bon, je suis martiniquais, donc Forkly, c'est pas inné, entre guillemets, tu vois, c'était pas forcément directement dans mon entourage, etc., surtout que j'étais assez jeune. C'est un album qui est sorti en 2001, il y a beaucoup de gens parmi vous, là, soit qui n'étaient pas nés, soit qui avaient à peine 3-4 ans, voilà, moi, j'avais environ 11-12 ans. Donc, je découvre Forkly comment? Il y a un show au Marin, c'est l'un de mes premiers souvenirs au Marin, c'est l'un de mes premiers souvenirs musicaux tout court. Il y a un show de Forkly au Marin et je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans un show de Forkly au Marin, si au moins quelqu'un dans mon entourage proche qui voulait aller à ce concert et puis on m'a emmené. Et je me prends la gifle, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe, je me souviens, il avait une sorte de vêtement fluorescent, un peu baggy. Vous souvenez des baggy un peu fluorescents de cette époque-là. Je crois qu'il y a des images de ça dans Backstage. Backstage, qui est l'émission de Jocelyn Vautour qui passait sur la 3. Je crois qu'il y a des images sur YouTube. Et donc je vais dans ce show-là et je me rappelle qu'il fait vraiment le show. Forkly, ça, c'était un showman de ouf jusqu'à maintenant. Il fait des prestas et tout. Donc voilà, je vais à un show, je kiffe, franchement, je me souviens même pas de ce qu'il chante ou pas, je me souviens juste que Missy Gagoise. Après, ce qui se passe, c'est que, dans mon souvenir en tout cas, je sais pas si c'est le mois d'après, je sais pas si c'est 6 mois après, franchement, quand t'es petit, t'as pas vraiment la mémoire concrète du temps qui passe. Je suis à Continent, pour ceux qui se souviennent de Continent, qui s'appelle, je ne sais même pas si c'est un carrefour ou quoi maintenant, la Place d'Armes en tout cas, centre commercial Place d'Armes. Et il y avait encore des CD. Il y avait le truc de CD pas loin des caisses, si vous vous souvenez. Et je vois l'album de Forkly, L'Indiscipliné. Je ne viens pas et je ne me souviens pas d'avoir vu de promo à la télé. Il n'y avait pas d'histoire de nouvel album de Forkly. C'est vraiment genre, je suis là, je suis dans tous les trucs de CD. Peut-être que j'aimais déjà un peu la musique, je ne sais pas. Je vois l'album L'Indiscipliné. Et je sais pas si c'est moi ou je sais pas. En tout cas, on achète l'album L'Indiscipliné de Forkly. Donc déjà, mine de rien, c'est plus ou moins mon introduction au créole guadeloupéen. Parce que pour recentrer, je sais pas si c'est moi seulement, c'est mon expérience. Vous me direz dans les commentaires. J'ai pas internet à cette époque-là. Juste 2000-2001, j'ai toujours pas internet. C'est là que tu te rends compte comment le monde a changé en 20 ans. J'ai pas internet, j'ai pas de téléphone, Donc, j'ai jamais vraiment entendu de créole guadeloupéen. J'ai pas d'amis guadeloupéens. Ma famille n'a pas d'amis guadeloupéens. Donc, c'est ma première introduction vraiment au créole guadeloupéen. Même dans la musique, il y a pas trop. Il y a de la musique guadeloupéenne, sûrement, qui nous parvenait, mais je faisais pas attention, etc. Et du coup, c'est vraiment la première fois que je me mange du créole guadeloupéen pendant tout un projet et tout. Et je me dis, ah ouais, eux, ils disent how. Ah ouais, eux, ils disent veille, pas. Et puis, ah ouais, bizarre. Ah ouais, ok. Ok, donc mine de rien, déjà, ça c'est une grosse. C'est très important entre guillemets dans ma vie, puisque après, au lycée, j'ai écouté presque autant de son guadeloupéen que de son martiniquais. Donc déjà, c'est ma première introduction vraiment au créole guadeloupéen. Il y avait le livret, super intéressant, super important le livret dans les albums à l'époque. Je pense que maintenant, il faudrait essayer de mettre au moins un livret digital
dans les albums quand ils sont sur iTunes, etc. Je sais pas si c'est possible d'ajouter un PDF, un truc. Parce que j'ai lu tous les lyrics de l'album de Folklore. Tous, je les connaissais tous par cœur. Peut-être un ou deux que j'écoutais pas trop. Mais le livret m'a vraiment permis d'entrer dans l'univers à fond. Je me souviens des remerciements. À un moment, il remerciait Catwoman. Je ne sais pas si c'est une vraie meuf qu'ils appelaient Catwoman ou pas. J'étais vraiment à fond, quoi. Donc voilà, déjà, c'est mon premier lien à l'autre île, comme je disais. Je pense que c'est pas aussi vieux. C'est comme la Guyane. La Guyane, j'en parle souvent. Pour rigoler, je répète bien. Je dis souvent que frère, ma génération a découvert la musique guyanaise grâce à Pompis. Ou le creole, pas le creole guyanais, mais presque, tu vois. C'est-à-dire que quand Pompis est arrivé avec Anouidats, en plus, il n'est même pas vraiment guyanais, lui d'ailleurs. Mais on s'est dit, ah ouais, Tomol, ouais, ok, donc ouais, mais c'est vrai, il y a un autre guyanais. C'est là que tu vois l'importance de la musique dans la découverte des peuples. Quand tu vois, il y a beaucoup de gens qui étaient allés vivre à Paname, etc. Donc, il y avait sûrement des amis guyanais, etc. Mais c'était pas aussi évident. J'entends des Mighty qui, là, des fois, un peu parler de la Guyane, etc. Mais c'était pas aussi évident que maintenant, oui, il y a le dance guyanais, il y a ça, etc. Donc, voilà, la musique est très importante dans ce cas-là. Mais pour arriver dans l'album lui-même, concrètement, déjà, il y a des morceaux évidents comme GGDL. Déjà, GGDN qui est ben, sûrement l'un des plus gros anthems de rap local de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sons où autant de générations, tu vas leur dire GGDN, ils savent. Tu vois, ils savent. Déjà, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Grand Jourdain, je ne savais pas ce que ça voulait dire de base. On était comme des GGDN. Il y a plein de gens qui savaient pas ce que ça voulait dire. Jusqu'à maintenant, je suis sûr, il y a plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire. Bref. Donc, déjà, gros anthem. Mais avant de parler de Folklore lui-même, de ses performances, de ses prestations, parlons de l'instru. Parce que les instrus de l'indiscipliné sont quinries de ouf. Et c'est pour ça qu'il faut saluer dès maintenant le travail de Staniski, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, puisque j'ai interviewé Folklore à son studio en Martinique. Le travail de Staniski, déjà en général, sur plusieurs années, puisqu'il a fait des instrus de ouf pour dans tous les styles, et pour une variété d'artistes de ouf, de grands artistes en plus. Mais si on reste sur l'indiscipliné, le travail de Staniski, on est en 2001, 2000, 2002. Le travail de Staniski, c'est un truc de fou. C'est quand tu écoutes les instruments de l'indiscipliné, tu te dis, mais les gars étaient au niveau Kenry. Donc là, je suis sur GGDN, le petit. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi c'est ouf, mais sur une instrument par exemple comme Rolé, ton, ton. Ton, 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 ton. C'est DMX, c'est Rough Rider. On est en Amérique. C'est-à-dire que tu écoutes Rolé, tu peux littéralement entendre DMX. Donc, si tu imagines, tu peux l'entendre poser sur ça et arriver. Tu peux littéralement imaginer DMX sur Rolé. Le travail de Staniski sur les prods, je ne sais pas quel prod il a fait exactement sur le. Il me semble qu'il a fait la majorité, si ce n'est 90%. Le travail de Staniski, c'est malade sur la discipline. Il les instruit. On était dans le futur. On était en Amérique. Pas pour dire encore une fois que l'Amérique c'est bien, que les Antilles c'est pas bien, etc. Mais on sait que l'Amérique, New York, c'est le berceau du hip-hop, etc. Et quand tu écoutes le plus beau, t'entends le petit piano, tu te dis, ah ouais, non mais c'est... En fait, et souvent moi quand je rappelle, quand je sortais des sons et tout, j'ai des idées dans la tête et... Je sais que le beatmaker ne va pas réussir à faire. Il ne va pas réussir à faire ce que je veux. Je sais déjà. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur beatmaker antillais. Comme tu n'as pas la culture hip-hop, tu vas pas... Je vais essayer de t'expliquer. Oui, je veux ça, mais tu sais, il faut que... Je ne vais pas réussir à t'expliquer. Tandis que frère, Staniski, le gars, quand il t'a fait Animar, frère, juste pendant... Puisque j'ai fait une reprise, d'ailleurs, de Animar, qui est le meilleur morceau de rap local de l'histoire, j'ai fait une reprise. Et l'instru, pour moi, j'ai jamais revécu ça dans une instru de rap local entière. Tu vois, alors que c'est pas ouf, hein. Ça a pas l'air ouf, mais quand tu consommes du rap, tu te dis vraiment, ah ouais, non, mais cet album-là, ils étaient dans une autre galaxie. Ils ont réussi à faire... On fait du vrai hip-hop, on bricole pas du hip-hop. Encore une fois, on est en 2000-2001, c'était un truc de ouf. Je disais DMX sur Rolé, mais tu vois, même le plus beau, encore une fois, Nas aurait pu poser sur ça. Facile, tu vois, facile. Où il y a une instru, il y a un son, c'est un peu du Eminem. Enfin, même fucking Chad, voilà.
toutes les instrus, c'est terrible. Donc, gros big up infini à Mr. Staniski et aux autres beatmakers sur le projet, s'il y en a. Mais je crois que Staniski, c'était vraiment le skull du projet. Mais là où Fokli, là où l'indiscipliné est vraiment légendaire, a vraiment traumatisé, c'est le texte, quoi. C'est bien sûr l'interprétation, bien sûr le charisme de Fokli, sa façon de poser au micro, c'est original. Jusqu'à maintenant, j'ai plus revu ça. C'est aux Antilles, j'ai plus revu ça. Vraiment, j'ai plus revu ça. Et je pense que l'indiscipliné, il était au sommet de son art parce qu'il a un album avant, il a un album après, en tant que Fokli en tout cas. Mais j'ai pas retrouvé cette. Tout était trop facile en fait. C'est-à-dire que tout, chaque son, tu te dis, ouais, non, c'est trop facile. Le gars, il est trop fort, c'est trop. Il réussissait à parler de sujets graves et réels et vrais, et dans la société on les a tous vécus ou bien on connaît tous des gens qui les vivent, tout en le disant de façon originale, tout en ayant aussi de l'humour, mais tout en te piquant aussi des fois. C'est-à-dire que le gars, tu partais, t'avais tout, quoi. Les montagnes russes, c'est-à-dire que tu ris, ensuite tu te dis, ah putain, il a dit, tu te dis, ah ouais, ça c'est dur, ah, et c'est réel. C'est pas, c'était vraiment. L'écriture, pour moi, de Fokli, c'est le summum du rap antillais pour toujours. Sur cet album-là, tu vas jamais. Il y a personne. Il y a eu des bons lyricistes après. Tu as eu des Yong Cheng. Tu as eu des Shaolin aussi a fait son truc. Tu as eu Dawa. Tu as eu des gars. Tu as vraiment eu des gars qui écrivaient super bien. Qui d'MC. Tu as des gars qui écrivent bien. Mais Fokli, tout le monde appelle Fokli boss, quoi. Tu vois, là, tous les rappeurs antillais à qui j'ai parlé, tous, le plus fort, c'est Fokli. C'est un truc de ouf. On va prendre le RMI. Je crois que le son s'appelle RMI, je sais pas exactement, mais vous voyez de quel son je parle. C'est du génie. Là où, tu vois, c'est un thème que beaucoup de gens ont abordé, je sais pas, avant ou après lui, je sais pas de qui on a parlé en premier. Voilà, les gens qui se laissent vivre, qui attendent les allocations pour vivre, etc. Mais le génie de le chanter à la première personne. Tu sais, y a que le RMI qui me met à l'aise, je vis des allocations, etc. Le fait de construire ce storytelling à la première personne. Déjà, tu te mets direct dedans, il se met dans la peau de quelqu'un qui n'a aucun scrupule à vivre au crochet de l'État. Et tu, quand il le dit, quand il le chante à la première personne, tu ressens direct le truc. Et pareil, ce problème-là, à ce moment-là, j'ai peut-être problème, entre guillemets, cette facette de la société, j'ai peut-être 12, 13 ans, je ne suis pas encore conscient de ça. Donc, entre guillemets, il faut qu'il m'apprend des trucs quasiment là. Et là, le storytelling et l'humour sont à leur paroxysme. Tu vois, le gars, il te dit, je chope tout ce qui me passe dans la gueule, je me change en travelot pour toucher la femme seule. Tu vois, c'est penser à des trucs comme ça, c'est génial. Et au-delà de ça, même là, la technique, la façon dont c'est écrit, nique la morale, la réussite sociale, vive les fins de mois et l'assistante sociale. C'est écrit, quoi. C'est le surtout, on a, encore une fois, je répète, en plein de fois, mais on est en 2000, 2001, 2002 environ. Les gens n'écrivent pas bien comme ça, tu vois. C'est-à-dire que souvent, c'est, je pousse un petit coup de gueule au milieu de la vidéo Fokli, tu sais. Il y a des gens qui confondent ancien rap avec rappeur fort. C'est-à-dire qu'il y a des bouts qui comprennent que parce que j'étais qu'à rapper en 1995, automatiquement, il n'y a plus Fokli les jeunes rappeurs. Donc, à côté les bougas, entre jeunes, on se sait, on discute de ça tout le temps. Entre jeunes et moins jeunes, hein, on discute de ça. On regarde et on se dit, frère, même si tu as commencé à rapper en 1989, je m'en fous, tu es faible. C'est juste que quand tu rappes, il y a un personne. Donc automatiquement, on est en mode, ah ouais, mon respect, ah ouais, mais si il rappe et tout. Mais le temps est passé, on a vu vite que tu étais faible. Mais Fokli, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je réécoute et je me dis, le RMI, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écrivent, hein, qui réussissent à écrire, à, pas seulement le RMI, même Onimar, bon, j'aurai le temps, mais. De parler de ce morceau, mais vraiment le niveau d'écriture de Fokli, c'est autre chose. Quand il dit ouais, chômeur, c'est mon métier, et je m'en bats les couilles de ce que tu peux penser, ou bien quoi qu'on en dise, c'est l'État qui sponsorise ma fainéantise, l'entreprise de la déchéance paye mes vacances, et du coup, c'est la glandance danse, frère. C'est trop. Non, franchement, le RMI, déjà, c'est trop. D'ailleurs, fun fact, mon nom, Spectacula, alors tout le monde m'appelle Spectacula maintenant, mais de base, mon nom c'était MC Spectacula, ça vient. Du son le plus beau de Fokli, qui est sur une prod qui aurait littéralement pu être une prod de Nastellement, elle est Kenry New York.
À un moment, il dit qui va là, négro, mais qui va là, on est Guada qui l'a, MC Spectacula. Qui va là, négro, mais qui va là, on est Guada qui l'a, MC Spectacula. Je te bats qu'arriba, on dit que ça arriba. Je m'appelais littéralement MC Spectacula, j'avais un t-shirt et tout machin. Donc, anecdote, ça n'a aucun rapport avec le spectacle de Sain Soupakou. Mon parti fucking connaître monsieur, ça vient de MC Spectacula de Fokli. Tout le monde me dit, ouais, t'as waké, t'aurais dû changer de nom. Mon parti même connaître monsieur. Je me souviens, j'avais une discussion, j'étais en Guadeloupe en plus. Des gars, ils me disent, ouais, non, mais t'aurais dû changer par respect. Je vois, les gars, mais vous êtes malade, faut. Je connais même pas monsieur. Personne ne connaît son nom. Mais j'aurais dû changer de nom, le frère. Là. Franchement, c'est là que tu vois les gens, ils sont matrixés, bref. Ensuite, il y a le morceau Vin Côté Moins, où on sent déjà. C'est intéressant parce que c'est un album très hip-hop. L'indiscipliné, il n'y a pas de dancehall dessus. Et, mais boum, au milieu, il y a un zouk. C'est super intéressant de voir qu'on sent déjà les prémices de Doudou, de Chabine, de sa carrière après en général. Et c'est un morceau, c'est zouk bordel déjà un peu. C'est comme si... Il fait du zouk, mais c'est un peu une parodie entre guillemets du zouk, mais du bien fait. Mais au final, ça montrait déjà où est-ce qu'il allait aller pas longtemps après, parce que dès l'album suivant, le méga smash hit, c'est Doudou qui est jusqu'à maintenant peut-être le plus gros classique populaire en tout cas de Fokli. Un autre éclair de génie, c'est Fucking Chad. Fucking Chad, alors, il reprend le flow de Hawkeye sur Money Making Guy. J'ai appris ça 15 ans après, je ne savais pas du tout. I'm a money making guy. Donc en fait, le flow, il l'a repris sur aucun. Mais l'écriture, en tout cas, c'est génial. C'est le storytelling un peu à la Eminem, mais plus ou moins avant Eminem, parce que moi, enfin, peut-être, je ne sais pas si il était inspiré d'Eminem ou pas. Mais le côté, je suis tellement bourré que je fais n'importe quoi. En tchadant, moi, on voit Tony Braxton, Tekasuse Koka, Janet Jackson. Franchement, à un moment, il dit. À un moment, le policier l'arrête, il lui dit alors, permis, carte grise, assurance, mandez-moi, on doit oublier à casa. En fait, le storytelling est ouf. C'est-à-dire que tout le monde a dû réécouter ça 150 fois. Fucking Chad, c'est un éclair de génie de malade, quoi. T'as le morceau aussi, Missy GG, où il se met dans la peau d'un super gros dealer, d'un super gros plug. Et puis, dans y a des lyrics de malade dans ce son. Le premier, l'intro même, il dit alors GG, quel bon vent t'amène, et lui il répond un cyclone en cougna moment. Enfin, tu vois des trucs comme ça où tu te dis, mais il t'emmène dans son univers de bordel, de gars de la cité, de romier, de tout ça. Tu es vraiment dedans. C'est à dire que vraiment, j'ai écouté cet album, je l'ai réécouté là, et jusqu'à maintenant t'es immergé dans le truc, le personnage Fokli même. Et je pense que c'est pour ça que jusqu'à maintenant on respecte énormément Fokli, parce que on le voyait comme une sorte de personnage, quoi. C'était Fokli avec ses nattes, avec le bandana, avec la tête. L'indiscipliné. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je parle à des big artistes. Et quand on parle de Fokli, on parle de Fokli, tu vois. C'est-à-dire que Admiralty, c'est grand public. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi cette figure de machin, etc. Mais Fokli, il y a ce truc pour les, tu sais, les plus en profondeur, plus underground, pour les connaisseurs vraiment hip-hop, vraiment. On regarde vraiment Fokli en mode, ouais, parce qu'il y a ce côté, moi pas fucking mêlé, pure, moi qu'à jouer, moi qu'à, je suis pas sûr ça. L'image lisse, etc. Admiralty, qui est une légende incontournable, incontestable, il a cette image, famille, ta maman aime bien, ta tati aime bien, Fokli aussi, ta maman aime bien, mais elle va aimer bien, bon, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit, oh, tu vois, tandis qu'Admiralty, c'est safe. Mais Fokli, c'était vraiment le truc que c'était à toi, quoi. C'était un peu le voilà, on va dire que il y avait les artistes plus pop rock, et puis Fokli, c'était le hard rock que toi t'écoutes mais que tes parents écoutent pas, tu vois ce que je te dis. Fokli, c'était vraiment ça. Dans Monsieur GG, pareil, à un moment il dit je connais Monsieur GG plus beau que les gros PDG, l'UGTG comprendre CTG, enfin l'écriture. Mais hop, là je cite ça, mais il y a d'autres lyrics dans ce son où tu te dis vraiment, les gens disent au dossier, pas dit au dossier à chaise, dossier pour faire les plus gros ministres tomber la jolie à l'aise, dossier tellement haut qu'ils comprennent sans falaise, dossier qu'il a cap en poussière depuis 93 ou 96, je sais plus ce qu'il dit. C'est trop, les gars, c'est trop. Et puis le refrain, Flows, Farm, Rolex, Sexe, Mercedes, Contrebande, c'est trop, c'est catchy. C'est comme Fucking Chat, je voulais en parler. C'est catchy à chaque fois. C'est-à-dire que c'est super lyriciste.
Mais chaque refrain, et c'est ça la faiblesse des bons rappeurs, souvent. La faiblesse des bons rappeurs, même, tu vois, même moi, je me considère comme un bon rappeur, même si vous n'êtes pas content. Même des gars comme NDX, Kid MC, Jao Kings, voilà, je ne vais pas en citer d'autres parce qu'ils ne veulent peut-être pas que je les cite, mais notre problème, c'est le refrain. C'est-à-dire qu'on est super fort, mais on n'arrive pas à faire de refrain. C'est pour ça que Mali, quand il a fait maîtriser Tchador, tu vois, si on te dit rappeur martiniquais, boum, Mali. Pourquoi? Parce que faire maîtriser Tchador, c'est un refrain de ouf. Les bons rappeurs ont du mal à faire des bons refrains. Et Fokly, chaque son avait un bon refrain. GGDN avait un bon refrain. Le plus beau avait un bon refrain. Le RMI, l'affaire conteneur, Onimor, il n'y avait que des bons refrains. Et c'est ça qui fait beaucoup défaut aux très bons rappeurs. Et Fokly était ex, je ne sais pas si c'est Fokly, Staniski, son équipe, Rico Record, je ne sais pas. C'était excellent en fait. Roller, que dire? Pour moi, c'est. Quand j'étais jeune, c'était mon son préféré parce que c'était, voilà, c'était agressif, c'est voilà. T'as le storytelling, les gars devant la boîte, on veut pas les laisser entrer. C'est un peu comme laissez-nous entrer en mouvement là, de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. En plus, j'ai du même quartier, me semble. Voilà, le vigile qui veut pas te laisser entrer, machin, etc. Puis c'est écrit, quoi, le gars, c'est drôle. C'est drôle. À un moment, il dit qu'il m'en dit de toi, pas que chinois, qu'on Jackie Chan et Bruce Lee. Ça veut jouer des grosses boules, mais si jamais il y en a un moyen qu'un PTG là il bloque. Enfin, tu es devant la boîte avec lui, c'est ton ami relou qui est devant la boîte, qui nous en shot, moi quand on entre en boîte là, moi en shot. Tu vois l'intro et tout, est-ce là pour représenter, oui, d'où là pour représenter, trop, c'est trop. Et puis le refrain, encore une fois, frère, oh, c'est DMX, on est au niveau DMX, DMX, ouais, littéralement, plus faire ce son, c'est trop. Jusqu'à maintenant, si t'as mon âge ou un peu plus grand, Roller, c'est classicos. Peut-être pas en Martinique, tu vois. En Martinique, c'était pas. Je sais que c'est à ce moment-là que je suis devenu un petit peu plus pointu, où j'étais dans des trucs que tout le monde ne connaissait pas forcément. Même s'il y a beaucoup de Martiniquais qui connaissent tous les disciplines aussi, attention. Mais je pense qu'en Guadeloupe, Roller, c'est classique, tu vois. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et moi, franchement, je pense même. Que même en Guadeloupe, hein, je pense qu'on n'a pas assez nourri ce truc-là. Là où en Amérique, on a des albums, on a des Illmatic, on a des Blueprints, on a It's Dark and Hell, It's Hot, on a des Ready to Die, on a des albums comme ça. L'indiscipliné, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vraiment, tu vois, les gens aiment beaucoup l'album d'avant. L'album d'avant, il est moins arrivé en Martinique. Et je pense que, vraiment, l'indiscipliné était mieux, en fait. L'album d'avant était bien. Mais je pense que l'album d'avant, c'était un peu une intro, machin. Et voilà, je pense que l'album d'avant, si on doit faire un parallèle avec Jay-Z qui n'a aucun sens, l'album d'avant, c'était peut-être son Reasonable Doubt, où voilà, il s'est fait sa petite fanbase de machin. Et l'album, l'indiscipliné, c'est Blueprint, où tout est bon, en fait. Tu peux rien enlever. C'est parfait pour ceux qui ne connaissent pas trop, et c'est parfait pour les super fans. L'album est parfait. Petit fun fact que j'ai appris il y a pas longtemps. Doc Gineco, fameux rappeur français, ma père est né là-bas, ton père est né là, mon père est né là-bas. Pour ceux qui ne savent pas qui est Doc Gineco et qui, je ne comprends pas où ils étaient, mais Doc Gineco devait être sur le morceau L'Obsédé Sexuel. Je suis ton obsédé, qui est un gros classique aussi. Doc Gineco devait être sur ce morceau, j'ai appris ça récemment. Et ça s'est mal passé, ça s'est pas fait. C'est très, très, très dommage. Ça aurait peut-être permis et ou aidé à Fokly de crossover, puisqu'il raconte souvent que c'est dur de crossover pour les rappeurs. En tout cas, ça a été très dur, et jusqu'à maintenant, c'est dur, en fait, de crossover pour les rappeurs antillais, puisque je crois à ce moment-là, ils étaient un peu proches, le secteur, tout ça, machin. Mais voilà, ça s'est pas fait. Autre chose que j'ai appris, que je dis maintenant, parce que je ne le savais pas au moment où j'ai fait... la vidéo sur Mosaic Creole, il y a un feat Tiboni Typical VF Admiralty qui n'est jamais sorti, qui devait être sur Mosaic Creole parce que Typical VF à ce moment-là était en froid, en guerre, je ne sais pas, avec Don Miguel, et c'est Don Miguel qui a produit Mosaic Creole. Incroyable, les histoires comme ça, c'est mes histoires préférées. Si vous avez d'autres histoires comme ça, les acteurs du game, n'hésitez pas à me dire, j'adore les histoires comme ça. Donc voilà. En tout cas, Doc Gineco devait être sur l'obsédé sexuel. Mais l'obsédé sexuel, moi, c'est un morceau que j'écoutais pas trop. J'étais encore très. Quand j'étais jeune, j'étais très puritain, hein, tu vois. Jusqu'à maintenant, vous voyez que je suis pas le gars trop. Voilà, qui j'injure un peu, mais voilà. Je suis pas le pire à ce niveau-là. Mais pudique, voilà. Je suis pudique jusqu'à maintenant.
Et à cette époque-là, c'est pas un morceau que j'écoutais trop, quoi. Voilà, j'étais peut-être trop jeune, je pense que les gens de 18 ans à cette époque-là se donnaient à cœur joie. Moi, le morceau, vraiment, vu que j'aimais pas trop, il n'y a que Fuck Lee et Obsédé Sexuel, c'est le morceau que j'écoutais pas trop. Pour moi, l'album, il s'arrêtait en Imar. Et en Imar, je peux le chanter de A à Z 20 ans plus tard. Littéralement, j'ai fait une reprise avec DevJ. Fuck Lee a partagé la reprise, c'était l'un des plus gros. L'une des plus grosses validations de ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas mon parcours musical, tu vois, j'ai pas eu des gros succès, mais ils sont passés en boîte vite fait, machin, ok, voilà, j'avais un petit public, un petit following, mais deux moments où je me suis dit, ok, chose, c'est quand X-Men a fait le coup et il a dit, ok, dans le coup, il y aura TFJ, Taiji et Specta, même si le coup est un échec cuisant, et le moment où il faut que les a partagé ma reprise de son en mode. Respect, tu vois, ça c'est vraiment deux moments qui étaient vraiment lourds. Pourquoi? Parce que en Iman, ses frères, c'est pour. Je comprends pas pourquoi il fait pas dans un musée. Pourquoi ça passe pas dans toutes les radios tout le temps? Ce son là, c'est trop. Le son est conscient, le refrain est parfait. Le gars, il peint un tableau de la société antillaise qui est toujours valable 20 ans plus tard. Quand il y a eu des incidents en Martinique là, ou en Guadeloupe, où on brûlait les barrages et tout machin, j'ai repensé à mon pays, mes Guadassans, parole inutile, mais tout le monde est dépendant d'épicer pour brûler en ville. Là, je me suis dit, j'ai repensé à ça direct. Je me suis dit, putain, le gars, il écrit ça en 2002, 2000, 2001, je sais pas exactement. Mais c'est 2001. Bref, ce son, jusqu'à maintenant, allez, c'est au plus toujours vigile, au plus fait l'argent facile, au plus gérer vente facile, au plus. C'est trop. C'est pour au plus que mon goumé, au plus gros pédophile, au plus gros magoumé, au plus gros lesbienne, au plus fond cabré l'école pour y avoir un minimum de respect. Tout, je peux chanter ce son de A à Z. C'est trop. C'est vraiment le meilleur son, je répète, le meilleur son de rap en créole de l'histoire en chien. C'est tout. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur l'album L'Indiscipliné. Voilà, on aurait pu en parler longtemps, on aurait pu vraiment dire beaucoup de choses sur cet album. Chaque lyrics, c'est trop. C'est l'album, c'est trop. Peut-être que je vais faire un jour dans un. Je connais mes classiques, je vais revenir sur les sons eux-mêmes. Mais l'album, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. C'est un niveau que. Voilà, il y a d'autres classiques, hein. Mosaïque Créole, c'est incroyable. Sahel and Friends, c'est incroyable. Plus dans les classiques récents, je pense que Chaos de Kalash ou Moi Kamoun, je sais pas celui que vous faites. Je sais pas lequel va rester, mais il y a d'autres. Hein. Mais L'Indiscipliné, ça a vraiment une place particulière dans mon cœur parce que le lyricisme. Je pense que c'est le seul album, sérieux, je pense que c'est le seul album classique antillais à être à ce niveau de lyricisme. J'ai réfléchi, c'est ça. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de classiques urbains antillais. Il y a de bons albums antillais, mais classiques urbains antillais à être à ce niveau de lyricisme qui sont presque du. Parce que voilà, c'est pas que le rap entier est moins bon que le rap francophone ou le rap US, mais souvent on n'est pas dans le. Je sais pas, je sens qu'il manque un truc souvent. Et là, littéralement, cet album devrait être au panthéon du rap, quoi. Pour moi, c'est à ce point. Donc, n'hésitez pas à me dire vous comment vous avez vécu L'Indiscipliné. Si vous avez écouté, si vous avez kiffé. Si vous avez jamais écouté, c'est sûr. Je ne sais pas si l'album lui-même est sur les plateformes, ce qui est triste. Mais en tout cas, les sons sont sur YouTube. Tapez Fuck Lee L'Indiscipliné. Je pense qu'il y a des playlists et tout. C'est obligé. Si vous aimez le rap, si vous voulez vous documenter, apprendre vraiment pourquoi on exige en rap. Jusqu'à maintenant, des fois, j'écoute vos sons et je dis, les gars, c'est pas bon. Et je parle en connaissance de cause. Écoutez ce projet. Gros big up à Fuck Lee. Merci pour tout. Frigien, c'est super. Franchement, quand j'ai interviewé Messier, c'était super important pour moi et ça me fait super plaisir d'avoir cette interview légendaire. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, tout ça. Me suivre sur Instagram, tout ça. À me dire ce que vous pensez de l'album dans les commentaires. Et puis voilà, à la prochaine. C'était Specta dans Parole Inutile Edition. Je connais mes classiques. Je connais mes classiques. Biatch!